Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat, François Ben Hana, Jeanne Louis, Bad Fortune, Mazal Fritna, Clouch, Mouba Ben Shalom, et Isharia Ben Ninda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez-le 5 minutes éternelles, nous sommes en Serbachot, Rigvav, Mishnah, hey. Berach à la Inch, chez les Fina Amazon, Pater à la Inch, chez les Achar Amazon. Berach à la Parperet, chez les Fina Amazon, Pater à la Parperet, chez les Achar Amazon. Berach à la Pat, Pater à la Parperet, l'eau Pater à la Pat, Bet Shamay Omrim, Afloma, Segdera. On a une Mishnah qui va s'intéresser à définir quelles sont les choses qui sont dispensés par la bracha du pain, c'est la toile de fond de notre Mishnah, en fait. C'est-à-dire, j'explique. Il y a d'abord une donnée élémentaire que la Mishnah ne nous a pas dit, c'est que lorsque tu manges un repas, tu fais la bracha sur le pain, tu dispenses tous les aliments. On a une règle qu'on verra plus dans une des Mishnahs de plus loin, dans la Mishnah Zayin ce sera, où lorsque tu fais la bracha sur le Icar, Icar, Poter et Tatafel, l'essentiel dispense le dire superflu, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou celui qui vient l'accompagner, le moins important. Soit, imagine que par exemple, tu vas manger un cracker avec du fromage, ensemble, ben, tu vas l'avoir sur le cracker, tu vas l'avoir sur le fromage, parce que le fromage, il vient pour accompagner ton cracker. D'accord? Bracha, bracha. Quand tu vas l'avoir sur les cartes, tu dispenses le tafel. L'essentiel dispense le superflu, si on peut dire, celui qui va accompagner, agrémenté, mais celui qui n'est pas l'essentiel de la consommation. C'est une règle générale qu'on verra plus dans précision. Pour le pain, hein, c'est assez différent. C'est fondé sur le même principe, en fait, mais avec des lois appliquées beaucoup plus générales. Que lorsque tu t'assois pour manger un repas, tu fais la bracha sur ton pain et tu dispenses tous les aliments qui viennent pendant le repas. Pourquoi ? Parce que tout ce qui vient en fait pour accompagner ton pain. Ça vient pour en fait garnir davantage ton pain, qui est l'essentiel de ton repas. Donc tu fais la bracha sur l'essentiel du repas. Le pain, bracha du début, bracha de la fin, le hamoutsi et le birkat amazon, et tu dispenses tous les éléments qui sont là pour accompagner ton repas. Soit toutes les salades que tu vas manger, ça dispense, de la viande, les œufs, le fromage, tout est dispensé parce que tout vient pour faire que ton repas soit encore plus garni, encore plus riche en toutes sortes de bienfaits de la nourriture, des vitamines et tout ça. Donc du coup, le pain dispense tout. Mais attention, le pain dispense que ce qui concerne le repas. Mais si jamais c'est des choses qui sont des extras du repas, alors le pain ne va plus le dispenser. Imaginez que je suis en plein repas, quelqu'un, il m'amène un petit bonbon, goûte un bonbon. Je prends ce bonbon, je suis obligé de faire chez la colle. Parce que le bonbon, ça se mange pas en sandwich avec du pain, ça vient pas pour nourrir, ça vient pour faire un petit plaisir, sucré, agréable. Donc tu sors du cadre du repas, tu fais une bracha, d'accord? Ça c'est des données générales que la Mishnah ne précise même pas, bien qu'à la fin il y aura quand même une petite marquette intéressante sur ça, mais on verra ensuite. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est expliquer une situation qu'il y avait à l'époque. C'était fréquent, aujourd'hui ça se présente plus tellement, c'est important, c'est possible, ça existe plus tellement à notre époque, dans le chef commun des gens et des repas qu'on fait. Ils avaient l'usage de faire un repas, de manger du pain. Une fois qu'on a fini le repas, on débarrassait tout et on sortait les gâteaux, on mangeait plus de pain du tout. On supprimait le pain de la table, il n'y avait même plus de pain sur la table. Et donc du coup, on avait fini le repas et puis maintenant, on se faisait des petits apéritifs en fin de repas. Il y avait l'apéritif en début du repas et les desserts en fin du repas. Mais le dessert, je précise que le dessert en fin du repas, c'était, d'abord, ce n'était pas des choses sucrées, il ramenait aussi des viandes grillées et des choses qu'il pouvait en théorie être mangées avec le pain, mais il le mangeait en guise de dessert. Il débarrassait tout, il n'y avait plus de pain sur la table, c'était comme une sorte de nouveau repas de dessert qui démarrait. Ça peut être fréquent, j'ai déjà vu dans des mariages ou des choses comme ça, où une fois qu'on a fini le repas dans la grande salle avec les danses, on va manger le dessert ailleurs. Vous imaginez la scène, là, il n'y a plus de pain. Peut-être que là, ce sera la situation que la Mishnah nous parle. D'accord? Éventuellement. Alors, quand on est dans une situation pareille, imaginez que maintenant, on va parler concrètement de ce cas précis, comme ça va être plus concret. Je pense que la règle, elle sera oui, en vigueur, dans un cas pareil. On a le repas qui est dans une salle, et une fois qu'on a fini, on va manger le dessert dans une autre salle. Là-bas, il n'y a plus de pain. Mais imaginez que là-bas, ils nous ont quand même fait des petites brochettes de viande. Or, la viande, ça se mange avec le pain. Mais là, on n'est plus en position de manger du pain. Alors d'abord, même si tu as fait la bracha pendant le repas, tu devras faire la bracha ensuite
sur ces petits desserts, parce qu'ils ne viennent plus pour accompagner ton pain, ils viennent en guise de dessert. Même si pendant le repas, tu as même mangé aussi d'autres brochettes. Mais là, ce qui arrive à la fin de repas en tant que brochette, c'est plus pour te rassasier, c'est juste pour te faire un petit plaisir de garder un petit goût de viande grillée au palais ou manger. D'accord? Ça, c'est la donnée générale. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la Mishnah ne va même pas parler de ça explicitement, elle va plutôt nous dire maintenant, si tu as fait la bracha sur l'apéritif d'avant le repas, et après tu as fait ton repas, quand tu arrives à la fin du repas et que tu vas faire ce dessert-là, eh bien tu seras dispensé de faire la bracha. Pourquoi? Pas parce que le pain l'a dispensé, mais parce que la bracha d'avant le repas sur l'apéritif dispense aussi l'apéritif ou le dessert en fin de repas, d'accord? Et idem aussi avec le vin. Ils avaient l'usage de faire la même chose. La consommation de vin à l'époque, elle était très originale. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des gens qui vivent encore comme ça, quoi. Ils s'installaient pour boire du vin avant le repas et après le repas, une fois qu'on débarrassait tout, on sortait du bon vin et on se mettait à boire du vin. Peut-être c'était pour mieux digérer, je ne sais pas exactement. Je ne connais pas aujourd'hui des mœurs pareilles, on fait des ambiances, des apéritifs en début de repas, mais des apéritifs en fin de repas, on se met à boire du vin. Pas dans mes mœurs en tout cas. Donc maintenant, la Mishnah vient enseigner le même principe. Berach alayin shelifne amazon, si tu fais la bracha sur le vin qui était avant le repas, eh bien, patar et ayin shelachar amazon, tu as dispensé le vin que tu feras après le repas, tant que tu n'as pas fait peut-être amazon, bien sûr. Pourquoi? Parce que pour le moment, tu es dans la même lancée, tu t'es pas interrompu, même si tu as eu ton repas au milieu, et que pendant le repas, tout est venu maintenant pour accompagner le repas, même le vin que tu buvais, ben, quand tu te retrouves après ton repas à faire maintenant ce dessert où tu vas reboire du vin, là, tu referas plus le bracha sur le vin puisque tu l'as fait avant le repas. D'accord? De même, Berach à la perperet chez le fin Amazon, Patar ta perperet chez la chara Amazon. S'il a fait la bracha sur la perperet, sur les petits. Parperet, c'est ce qui vient accompagner le pain, comme il nous dit le partenaire. Col d'abord chez Malaptine, boîte à pâte. Toutes ces choses qui viennent pour accompagner le pain, mais qu'on mange en guise d'apéritif. Ça peut être des petits bouts d'œufs, ça peut être des bouts de viande, des poissons. Que tu peux manger des poissons secs, des poissons séchés ou salés, que tu peux manger en apéritif ou que tu peux aussi manger pendant le repas. Et après, une fois que tu as tout débarrassé ta table, tu vas maintenant manger ton dessert, on te ressort de nouveau des petits poissons. Eh bien, la bracha que tu as fait avant dispense la bracha que tu as fait, que tu devras faire pour après, puisque tu as déjà fait la bracha avant. Mais par contre, si tu n'as pas fait de bracha avant, tu devras faire la bracha dans cette fois-ci. Parce que, comme on a dit, ça ne vient plus accompagner ton pain, tu n'es plus en position pour te faire ton repas, mais tu es. Maintenant, tu es en situation où tu es venu pour te savourer des petits plaisirs, c'est plus pour te nourrir, ça change de statut, il faudra faire la bracha, sauf si tu as fait la bracha avant le repas, d'accord? Maintenant, en rapport avec les choses que la bracha du pain dispense, on a une nouvelle machloquette. Berach à la pâte, patarata parperet, à la parperet, l'on patarata pâte. Parperet, là, il faut changer d'interprétation un petit peu. C'est une sorte de. Il y avait des petits croutons de pain. Vous savez que des croutons de pain, la bracha, c'est à moitié de réminaras. D'accord? Parce que ça a été du pain, imaginez que tu as pris du pain, tu l'as coupé en petits cubes, tu les as même fait ramener dans des épices et griller pour faire des petits croutons que tu manges maintenant en guise de bisli. D'accord? Des croutons, bien, tu les mets dans ta soupe, ou peu importe. Alors, la Mishnah me dit, sache que si tu manges ces croutons-là pendant le repas, les racha la pâte, patarata parperet. Si tu manges, tu fais la bracha sur ton pain, tu dispenses cette parperette, ces petits croutons, ces petits agréments, qui, même s'ils sont à base de pain, tu les as dispensés parce qu'ils viennent pour accompagner ton repas. Par contre, si tu as fait la bracha sur la parperette, imaginez qu'avant le repas, on a sorti en apéritif ces petits croutons. Quelqu'un en a mangé quelques-uns, il a dit à Moti Réminares dessus, parce que la bracha c'est à Moti, mais sans faire une taille, parce qu'il a mis manger pas un kazaït, il mangeait juste pour quelque chose de croustillant, d'agréable, et, d'accord, c'est un peu compliqué à comprendre, comme je vous explique, une synthèse de plusieurs méfarchines en même temps, donc, il a fait la bracha sur ça en guise d'apéritif, avant d'avoir fait une petite atteinte, après il va vouloir manger son pain, et bien il devra refaire la bracha sur le pain. C'est ce que la Mishnah me dit, berach à la pâte, patar à ta papette, c'est une interprétation, il y a une autre interprétation qui nous dit tout simplement qu'on parle. Non, on va rester sur ça. Donc, berach à la pâte, patarata parperet, tu fais la bracha sur le pain, tu dispenses cette parperet. Par contre, si tu fais la bracha sur la parperet, tu ne dispenses pas le pain, parce que c'est maintenant ces petits croutons-là, ils n'ont pas le prestige d'être du vrai pain que tu consommes pour te nourrir, c'est juste un apéritif, c'est pas l'essentiel du repas. Quand tu passes pour faire le repas, tu devras refaire la bracha de la moitié de la. D'accord?
Et sur ça, on a maintenant Bet Shammai Omrim, Aflo Maasek Dera. Bet Shammai vient, hein, il nous dit, et tu ne dispenseras pas non plus le Maasek Dera, la semoule bouillie, soit du couscous. Selon Bet Shammai, le pain dispense ce qui vient pour accompagner le pain. Or, en général, je pense, on ne mange pas du couscous avec du pain. Là, tu mets le pain de côté et tu manges du couscous. D'accord? Tu vas faire un sandwich avec du pain. Du pain dans du pain. D'accord? C'est pas quelque chose qui se mange avec du pain. Selon Bet Shammai, de ce fait, quand tu vas manger du couscous ou des pâtes, que ce n'est pas des choses qu'on mange avec le pain, parce que c'est elles-mêmes du... Et maintenant, eux, ils n'ont pas la bracha d'homme, c'est la kaminares, ils sont bouillis. Ils ont juste la bracha de boréminien dans un autre. Puisque, selon Bet Shammai, ils ne viennent pas pour accompagner le pain, même s'ils viennent pour assaisonner, il faudra faire la bracha sur eux. Et Bet Hillel, sur ça, il n'est pas d'accord, il te dit non, puisque ça vient pour assaisonner, tu fais la bracha, la bracha du pain le dispense, et même comme ça, on retient pour la bracha que tout ce qui vient pour rassasier pendant ton repas est dispensé par la bracha du pain. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov U'Seva.